Celui qui trouve comment j'ai fait ce tour de magie, je lui offre 500 V-Bucks. Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ que vous attendiez vraiment. Vous étiez vraiment, vraiment nombreux à me dire. Ouais, c'est quand que tu sors ta vidéo? Ouais, c'est quand? Les amis, la vidéo sort maintenant. J'ai répondu à vos questions. Toutes vos questions sont sur papier. Oh là là, t'as fait ça sur papier. Pourquoi t'as pas fait ça sur ton téléphone? Les amis, on est en crise. C'est la guerre. C'est le confinement. On va pas se prendre la tête. Je voulais faire sur papier. Et je vais y reprendre tout de suite. Première question, les amis, de Julien Latouf. Ma question, c'est, t'habites où et tu joues sur quoi à Fortnite? Bien, Julien, je joue à Fortnite sur PS4. Ça fait un petit moment, je joue tout le temps, tout le temps. J'ai essayé toutes les autres plateformes, que ce soit Switch, Xbox. PS4, c'est mieux. J'habite en région parisienne. Question de Zekrom Uchiwa. Je vous invite, les amis, à aller voir sa chaîne. C'est un joueur mobile, deux doigts. Franchement, il est hyper balèze. Franchement, c'est un gars avec qui je joue tout le temps. Il est fort. Sa question, ta copine, on pense quoi que tu fasses YouTube? Eh bah, elle est d'accord sur le fait que je fasse YouTube. Elle me soutient à fond. Elle est même là de temps en temps, tout le temps. Elle est là sur mes lives. Elle gère la communauté si ça se passe mal ou bien. Gros big up à toi. Gros bisous. Question de Scooby-Doo. Scooby-Doo? Waouh. Pour toi, quelle a été la meilleure saison? Pour moi, Scooby-Doo, la meilleure saison, c'est la saison 3. Car c'est à laquelle où j'ai commencé à jouer à Fortnite. Nous avons eu Tilted, Salty, avec le sous-sol dans la maison bleue, où il y avait tous les trucs quoi. C'est même là où j'ai commencé à jouer avec Agent Lopez, et depuis ce jour-là, on joue tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Et franchement, c'était vraiment une saison que j'ai aimée. Question des amis, Dog Tag 90. Sa question est, quel âge j'ai? Alors, j'ai 21 ans. Voilà. Merci. Question des amis de TRZ Lander. Sa question, comment as-tu connu Tellement. J'ai connu Tellement en jouant à Fortnite. Enfin, précisément, je vais vous dire le début. J'ai connu Tellement grâce à sa femme, Madame Lopez. On était à l'école ensemble. À partir de la saison 3, comme je vous ai dit, j'ai joué. Et Madame Lopez a dit, ouais, Tellement, viens jouer avec nous. Et il est venu. Et depuis ce jour-là, on a tout le temps joué ensemble. Et quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Même maintenant. Question d'Agent Lopez. Ma question, quelle est l'arme que tu prendrais dans ton inventaire s'il n'y en avait qu'une? S'il n'y avait qu'une arme dans le jeu que j'utiliserais dans mon inventaire, c'est bien évidemment le pompe tactique violet. Parce que ce pompe-là, il est très rapide et du dégât sale. Pa 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 pa! Franchement, c'est le pompe que j'utiliserai tout le temps. Prochaine question, les amis, de Sandrine Sozani. Si Agent Lopez n'était pas ton ami, penses-tu que tu aurais moins de likes pour tes vidéos? Entre parenthèses, moi perso, c'est non. Franchement, cette question, non. On va dire Tellement il est là pour me soutenir, donner des conseils sur ma chaîne, m'aider, me dire que faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, etc. etc. Question de Claude Auguste. Est-ce que tu as une copine? Alors Claude, oui, elle est là sur mes lives. Je lui fais des gros bisous. Question de Mohamed El Anoudi. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur YouTube? J'ai voulu me lancer sur YouTube car franchement, déjà je voulais voir ce que ça donnait. Essayer pour voir si c'était compliqué. Franchement, les amis, au début. YouTube, c'est compliqué au début. Si vous voulez vous lancer, je vous cache rien du tout. J'ai commencé, c'était compliqué à avoir des abonnés. J'avais Tellement qui était là pour m'aider. Et j'ai continué, j'ai fait mes vidéos. Avec le temps, bah, le travail paye, on va dire ça comme ça. Et les abonnés sont venus petit à petit. Et c'est grâce à vous que nous sommes aussi nombreux sur la chaîne. Une autre question de Claude, les amis. Depuis combien de temps ta chaîne existe? Ma chaîne existe, on va dire, depuis 2014. Mais on va dire que je ne faisais pas de vidéos. Cette période-là, on va dire que je suis super actif sur YouTube depuis, on va dire, 2017 ou 2018. Dans ces environs. Une autre question de Sandrine. Ouais, vous allez me dire, ouais, c'est toujours les mêmes personnes qui posent les questions. Mais les amis, je réponds aux questions de tout le monde, même si c'est les mêmes personnes. Je suis accro à Zelda. As-tu déjà joué à un jeu? Ouais, j'ai déjà joué à un jeu Zelda, que ce soit sur Wii, sur Switch, que je n'ai pas encore fini même. Il faudrait que je l'y finisse. Et sur DS aussi. Question de Lunatic Azog. As-tu des projets spéciaux pour la chaîne? As-tu prévu des gros changements? Pour la chaîne, oui, j'ai prévu de faire d'autres vidéos que Fortnite. Je prévois aussi de faire des jeux sur des jeux d'horreur. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je vais faire un live sur Outlast. Je ne sais pas si vous connaissez Outlast et un DLC du jeu. Un jeu d'horreur qui. Parce que vous savez, j'aime beaucoup les jeux d'horreur. Et je vais essayer pour voir ce que ça donne. Prochaine question, les amis. Wheeler LTS. Quelle est la taille de la porte de ta chambre? C'est une question qui va aider à la recherche du remède au corona. Cette porte, franchement, je ne sais pas à quoi te dire. On va dire que la porte, elle arrive à là, tu vois, j'arrive à toucher le haut.
Je suis 1m81 à peu près en hauteur, alors peut-être 2m10. Non, pour te dire, je sais pas ça fait combien, mais voilà. Question de Fury Typhon. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube et comment as-tu rencontré Agent Lopez? Bah, c'est, je vous l'ai déjà dit après par rapport à comment je l'ai connu, et je me suis lancé sur YouTube pour voir comment c'est, essayer de nouveaux trucs, voir si YouTube ça pourrait fonctionner. Et ça fonctionne super bien. Question de Scooby-Doo. Waouh. Scooby-Doo. Quel est ton skin préféré? Mon skin préféré Scooby-Doo, eh bien, c'est le skin Kylo Ren qui est sorti pendant l'événement de Star Wars. Mais sinon, je joue plus souvent avec le skin Rey de l'événement aussi Star Wars. Question de Mini Zekrom. Tu fais quoi dans la vie à part faire des vidéos ou jouer à Fortnite? Eh bah, ben, à part faire des vidéos sur YouTube et jouer à Fortnite, qu'est-ce que je fais? Voilà, je crois que ma réponse est claire et nette. Question de Ryan Fruit. Tes parents te soutiennent sur YouTube? Alors Ryan, oui, mes parents me soutiennent. Récemment, je faisais mes vidéos sur les défis Fortnite. Ma mère était là en même temps. Elle rigolait quand j'étais en train d'enregistrer ma voix. Elle me disait, ouais, qu'est-ce que je faisais? Je lui disais comme quoi je faisais des vidéos sur YouTube. Elle m'a dit, ça fonctionne bien. Je lui ai dit, ouais, ça fonctionne super. Et je lui ai dit que j'avais tel nombre d'abonnés. Et elle m'a dit, ah bah c'est super, continue, continue. Voilà. Question de Lunatic Azox. Ma question est, tu es de quelle origine? Lunatic Azox, je suis d'origine des Antilles, la Guadeloupe, Martinique, tu vois, les Caraïbes. Et quand je dis Caraïbes, je parle pas de Pirates des Caraïbes. Hein, d'accord? Question Arty Slash. Pourquoi ton pseudo c'est Pitfall? Alors les amis, bah, mon pseudo c'est Pitfall. Vous étiez quand même nombreux à me le poser sur mes lives et sur mes vidéos. Mon pseudo c'est Pitfall parce que en fait, quand j'étais petit, il y avait, je sais pas si vous avez connu, dans les boîtes de céréales. Vous avez les boîtes de céréales genre Miel Pops, Lion. Vous avez des jouets, mais à la place des jouets, on avait des CD. Bon, je vous fais le logo CD alors que tout le monde sait ce qu'on a des CD. On avait des CD, c'était des jeux, soit des jeux ou des DVD. Et à un certain moment, il y a une époque où ils ont sorti des CD de jeux et le jeu c'était Pitfall. C'était un jeu qui ressemblait un peu à Temple Run, je crois que c'est ça le nom du jeu sur mobile. Et en fait, faut courir depuis que j'ai vu ce nom. J'ai kiffé. Question de Scooby-Doo. Depuis combien de temps tu joues à Fortnite? Alors Scooby-Doo, je joue depuis la saison 3. Tu fais saison 3 plus maintenant, je sais pas ça fait combien si tu calcules. Bon après je sais pas ça fait combien mais la flemme de calculer. Question de Monsieur Houston. T'as vu ta mère nue? Oui. Question Artie. Tu pourras refaire des concours pour des V-Bucks. Artie, tu me poses une très bonne question car je vais faire prochainement. Dès que j'atteins les 3000 abonnés, je ferai un concours pour faire gagner 1000 V-Bucks à toute plateforme, c'est-à-dire plateforme PS4, Switch, PC et Xbox. Pour cela, tout simplement, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, me soutenir grâce à mon petit code créateur. Et dès que tout cela est fait, aux 3000 abonnés, je lance directement un live concours pour les plateformes. Voilà. Question de Naruto H974. Tu fais quoi dans la vie? Voilà. Non, je fais rien. Voilà, je fais rien. Question de Bolagal. C'est pour quand le code créateur? Eh bien, Bolagal, le code créateur est déjà disponible. Je l'ai déjà. Si tu veux me soutenir, eh bien, je vous le mets juste ici, là. Là, vous pouvez le voir en grand. Et vous pouvez me soutenir grâce à ce petit code créateur. Voilà, les amis. Ce sera tout pour cette vidéo FAQ. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de la partager à vos amis. Abonnez-vous. Aux 3000 abonnés, je fais un live pour vous faire gagner 1000 V-Bucks aux plateformes PS4, Switch, Xbox et PC. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo FAQ. Si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires, je ferai une deuxième partie. Et voilà. Sur ce, les amis, merci à tous.